Bonjour à tous, donc Gilles agriculteur du Loiret, là je suis en train d'épandre de l'engrais et là je le fais avec le GPS du tracteur en RTK avec une base centipède. Donc je vais vous expliquer un petit peu et vous montrer que ça fonctionne vraiment bien. Donc là j'ai semé il y a un an, enfin il y a 6 mois, et là je viens de freiner un grand coup et m'arrêter exactement là où le GPS passait. Et donc on voit bien qu'il est exactement dans les traces du tracteur. Donc de chaque côté, allez, il est peut-être un tout petit peu plus à gauche qu'à droite, mais ça joue vraiment de pas grand chose, parce que là on est quasiment au centre de la trace qu'avait fait le semoir quand il a semé. Et là pareil au niveau de ce pneu là. Donc si on regarde la précision, donc ça c'est 6 mois après, donc il y a une répétabilité grâce au signal GPS, ça veut dire que on repasse exactement à la même place. Et si on va voir là-haut la précision actuelle grâce à la nouvelle base centipède que je me suis faite, donc concrètement depuis maintenant 3 semaines, j'ai mis une base directement sur ma maison. Donc là je suis à la deuxième ferme qui est distante en gros de 6 km, et là en ce moment voilà le type de précision en centimètres, donc je suis entre 1 et 1,5 cm de précision avec la répétabilité. Donc ça fonctionne vraiment bien puisque là on est vraiment sur des précisions parfaites, meilleures que avant, parce que la base était plus loin, j'étais plutôt à 3-4 cm et puis meilleure que ce que je peux avoir avec les tracteurs de la Cuma où on est en satellite pur, mais aussi en RTK où là on est plutôt autour de entre 2,5 et 4 cm. Alors, ce qui est des très très bonnes précisions et surtout très bien parce que c'est répétable. Donc là, pour passer, pour faire mon engrais, pour faire tout ça, c'est vrai que c'est l'idéal parce que je peux me guider. Et ces tests, je voulais les faire là en ce moment avec la nouvelle base pour voir si demain, au niveau des semis, au niveau de tout un tas de choses, si je peux réussir à faire cette répétabilité. Et ça fonctionne vraiment très bien, donc je suis assez épaté parce que c'est vrai que c'est assez bluffant de revenir 6 mois après et d'être à 2 cm près dans la trace. Donc voilà une petite vidéo juste pour vous montrer ça. Donc je fais une petite pub en même temps pour Centipede, qui est un réseau de balises gratuites. Donc moi j'en ai mis une sur mon toit. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo sur la chaîne principale où j'explique comment j'ai fait. Ce réseau gratuit, en fait, c'est un réseau d'agriculteurs et d'autres personnes qui sont dans le para-agricole qui ont monté ça pour pouvoir faire soit de l'expé, soit directement, comme moi, pour avoir une base proche de chez soi, pour avoir la meilleure résolution possible au niveau du RTK. Et donc, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors pour l'instant, j'ai pas de coupure, tout se passe bien, donc parfait. Donc les agriculteurs qui sont autour peuvent bien sûr se brancher sur cette base gratuitement. Il suffit d'aller sur le site Centipede et puis relever les quelques points, l'adresse du caster et puis le point, et ils peuvent se baser. Et il y en a sûrement une proche de chez vous où ça vous fait un signal RTK gratuit. Alors bien sûr, il faut que la console soit débloquée RTK et qu'il y ait un transfert des données par GSM. Donc si vous avez un GPS ou vous mettez une carte SIM dedans, probablement vous pouvez vous brancher à ce type de réseau RTK gratuit. Voilà, bon, et je vous dis à bientôt. Moi je continue à épandre l'engrais et puis en attendant, portez-vous bien.